Et salut tout le monde, c'est Manor Luz, on se retrouve pour le 6ème épisode de Subnautica. Donc voilà. Alors, normalement je devrais pouvoir. Oui, normalement je devrais pouvoir rentrer là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, fallait que je termine. Bon d'accord. Donc je disais oui, donc on se retrouve donc pour le 7ème épisode. Le 6ème épisode non, de Subnautica. Voilà, alors j'ai donc pas mal avancé la base. Attendez, je... Voilà, donc j'ai pas mal avancé la base. Voilà, donc j'ai mis un poster, là j'ai mis une armoire. Et j'ai aussi, bah j'ai un peu aménagé, donc il y a un fabricateur. Et j'ai consolidé aussi les murs parce que, bah bien sûr, je me suis rendu compte qu'en fait... bah, s'il y avait trop de trucs, après, bah ça cassait et du coup, bah, la base était toute inondée. Donc je mets quand même des consolidations. Après j'ai mis un rechargeur de piles, voilà, c'est intéressant à avoir. Une salle de scanner, voilà, donc par exemple là bah, ça m'indique là où sont tous les minerais de calcaire, c'est pas ce que j'ai marqué, mais je peux changer, je peux mettre par exemple des débris métalliques. Voilà, regardez là ce qu'il y a autour de nous. On peut voir. Et donc ici après ça c'est l'accès donc à la chambre d'immersion où on mettra le Simov. Et là, bah, ça c'est des améliorations pour la vitesse de la salle de scanner. Bon, c'est pas la peine. Enfin bon, voilà, on peut mettre après des améliorations à la salle de scanner. On peut, on peut en fait contrôler des caméras pour explorer, voilà. Regardez comme ça, par exemple. Bon bah là, du coup, là je vois les débris métalliques parce que je sais que c'est les débris métalliques. Et je peux voir les différents endroits. Puis là, bah il y a l'endroit où il y a la salle de scanner. Voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors j'avais donc il manquait je crois un peu de titane pour construire parce que du coup bah, on va essayer d'avancer encore un petit peu cette base. On va essayer de trouver un autre moyen que les panneaux solaires, parce que les panneaux solaires, regardez là, on est à 148 sur 225 de puissance, mais bon enfin c'est la puissance, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose qui produit de l'énergie la nuit aussi, voilà. Du coup bah voilà, un panneau solaire, les pièces d'intérieur, on pourra peut-être faire un bioréacteur. Mais donc moi non, moi ce que je voulais faire à la base donc c'était je sais même plus ce que je voulais faire, mais je voulais construire quelque chose. Les consolidations, voilà, il faut du lithium. Si on va faire, c'est le moment de se faire un. C'est pas dans les outils, ça va plutôt être ici. Ok, non, c'est dans les outils. Il doit y avoir un canon à propulsion, bon ça on devrait pouvoir le faire. Fusée à stase et le découpeur laser, voilà, donc il me manque du soufre de cave. Soit il est là, soit il est. Il est donc à la capsule. Bon c'est pas grave, j'irai le chercher à un autre moment. Voilà, j'ai mis aussi une porte étanche pour séparer si jamais. Ça. Comment ça se fait que ça le. C'est bizarre, avant c'est. Il y avait une animation. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer d'ajouter à la chambre d'immersion. Puis bien sûr, on va toujours, on va explorer un petit peu, puis aller voir. Alors, est-ce que c'est, voilà, là, l'emplacement posé de la base du dégazi. Voilà, donc ce qu'on va commencer par faire, ça va être aller faire la chambre d'immersion. Donc, ce qu'il faut faire aussi, regardez, donc j'ai un outil de réparation. Et hop, je vais me remettre le couteau ici. Voilà, un petit couteau de survie. Et donc, voilà, on va éclairer un petit peu. Donc, comme je vous montre, là, regardez, en fait, c'est inondé de cette manière. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'eau de partout. C'est le principe de quand c'est inondé. Mais... Et après, du coup, il faut réparer les murs. Et puis, je pense qu'il faudra mettre des coutures. Voilà. Et donc là du coup voilà, la l'eau va partir. Bon ensuite je pense que là ici si je peux je vais mettre des consolidations ici. Alors les consolidations c'est ça. Est-ce qu'il y en a, on peut en mettre sur ces murs, voilà. Parce que, ah oui mais il va me falloir du lithium. Bah je récupérerai du lithium et je mettrai des consolidations. Et donc du coup je vais le relier. Ah faut encore que je répare ce mur là.
Voilà, normalement tout me semble réparé là. Par contre, je sens que si je. Parce que là, du coup, je vais faire. Alors, ça va me prendre une heure. Prendre un compartiment I, voilà, juste comme ça. On va tourner, on va mettre. Ah, mais ça marche pas, c'est pas la bonne hauteur là. C'est pas la bonne hauteur, ça c'est embêtant. Et bah, c'est pas grave, on va faire comme ça. Un compartiment I là, et du coup, ici il va me falloir un truc entre là et là, donc ça sera sûrement un connecteur vertical. Il me semble que c'est comme ça, c'est un connecteur vertical. Alors, bah, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais déconstruire la ça, puis que je vais le mettre ailleurs. Donc, je vais essayer de trouver un moyen, puis je retrouve après. Voilà. Voilà, et donc là, le problème, c'est que. En fait, voilà, la base est quand même plus grande, la chambre d'immersion. C'est pour ça, à chaque fois, j'avais des problèmes que ça cassait la base. Alors, ah, ça y est, on a le retour des animations. Donc, ce que je voulais faire, voilà, donc ça serait mettre une porte étanche, parce qu'elle est. Ça va être module intérieur, voilà, ça, voilà. Une porte étanche ici. Juste par simple précaution. Voilà, donc regardez l'animation. Et donc il me dit qu'il faudrait que je bois. Voilà, donc nous avons enfin réussi à faire ça, à mettre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre de l'eau. On va reposer le reste là, tac. Parce que tout ça après là, j'ai pas besoin. Garder la pile, et donc je vais me prendre de l'eau et on va aller voir cette fameuse base des gazis. Voilà. Oh, on va reprendre de l'eau. Voilà, et puis donc bah je pense qu'à un moment on construira le Simov. Je sais pas comment est-ce qu'il faut le construire, enfin bon, je me renseignerai et puis on construira. Est-ce que je peux pas trouver et récupérer quelques poissons? Voilà, parce qu'en fait, bah, ces poissons-là, là. Ah, reviens là, je vais t'attraper. Voilà, hop, je vais ramasser des petits poissons, histoire d'avoir à manger. Allez, 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 reviens là. Bon, c'est pas grave. On va aller donc à cette fameuse base, voilà. Bah, ce trajet est trop long. Il y aura sûrement une ellipse sur le trajet. Radiation détectée, ok. On va. Ok. On va faire ça, ça et ça. Voilà, casque de radiation. On se protège contre les radiations. Et puis après, on va y descendre. Allez, c'est parti. On va déjà respirer un petit peu en grand coup avant. On va boire, boire, manger, boire. Manger, 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 boire. Et j'aurais dû passer prendre un kit de survie. Allez, c'est parti. En espérant qu'on aura le temps de visiter là. Alors. Ouais, je suis au courant. Ah oui, ok. Ah oui, c'est ça leur base, ok. Ah ouais, elle est en ruine. Est-ce que je peux rentrer là? Ok, non, là c'est fermé, il n'y a pas une entrée quelque part là. Ah bah là c'est cassé, on devra pouvoir rentrer. Oula, ça doit être la plante qui a dû me tuer, j'imagine. Dommage. Allez, on y retourne. Ok, je suis de retour tout en haut, enfin il me semble. Ouais, ça doit être ça à peu près là. Allez, c'est parti, on descend. Tiens, après il y aura des trucs à scanner en haut, je saurai remonter. Si cette fois j'arrive à remonter en vie.
Donc ça t'aura évité de trop patauger, on va directement aller au bon endroit. Alors là, il y a un truc, comment c'est, ce que c'est, ça fusil à stase, il me semble que je l'ai. Attendez, on va vérifier. Ah, j'ai pas mon scanner avec moi. Ça, c'est une perte de temps purée, ça me le met pas, mais mets-le moi. Pourquoi il veut pas? Mets-moi mon scanner. Ok, allez. Ok. Réacteur nucléaire. Alors ça, par contre, j'avais pas scanné. Purée. Où je remonte? Je sais bien qu'il faut que je remonte là, mais je suis en train de... C'est ce que je fais. Allez, tu peux le faire. 50 mètres à remonter. C'est bon, je suis arrivé en haut. Alors, on a récupéré tout l'oxygène, on redescend. Purée, ça va être des allers-retours comme ça là. Je pense pour récupérer tout ça parce que là, vu la profondeur et vu que j'aurais peut-être dû prendre des tuyaux, mais même il aurait fallu des tonnes pour descendre aussi bas. Alors attends, donc est-ce que je peux pas me mettre la lampe? Voilà. Maintenant j'ai une lampe avec, éclairer tout ça. Alors là il y a un truc. PDA abandonné, ok. Ah oula, non, attends, ça fait mal. Est-ce que je peux pas faire un truc avec... Je peux pas casser ça avec mon couteau, ok. Bah, du coup on va essayer de faire bien attention à pas toucher tout ça. Purée, 38 d'oxygène, faut déjà que je remonte. 30 seconds. Ah, remonte. Casse-toi, c'est parti, allez. Ah non, oxygène, purée, à 160 mètres. Ah, j'y arriverai pas, je vais mourir. Sans, là. Ok, maintenant tu remontes tout droit. Allez. Purée, je suis mort. Je propose qu'on fasse le steam off, ça devrait peut-être m'aider. Si on construisait, parce qu'il me semble que je dois avoir tous les fragments pour le faire. Parce que là, ouais, monter et redescendre, ça risque d'être assez compliqué. Donc, ouais. Qu'est-ce que j'ai perdu? Pas grand-chose, étant donné que j'avais pas grand-chose. Schéma. Est-ce que j'ai le schéma du steam off? Du steam off. Voilà, baie à véhicule mobile. Ok, donc il me faut la baie à véhicule mobile. Comment est-ce qu'on la... Bras à torpille pour le prow. Baie à véhicule mobile, elle est où celle-là? Peut-être vers le haut. Il me semble que je l'ai scanné en plus, la baie à véhicule mobile, je dois la voir. Quelque part, mais je sais pas où, mais je dois la voir. La très haute capacité. Bon, attends. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Si je prends ça, voilà. Porte étanche. Intérieur. Non, ça va pas être là. Ça va peut-être être dans divers. Non. Base, connexion. C'est le scanner, tout ça. Non. L'extérieur. Est-ce que c'est pas dans fabricateur, déployable? BAVQ mobile, donc il me faut un lingot de titane, du lubrifiant et une batterie haute capacité. Alors, batterie haute capacité, ça doit être dans électronique, deux piles et du caoutchouc en silicone. Donc ça devrait pas être extrêmement compliqué à faire. Alors, le plus compliqué à avoir, en fait, ça va être le titane encore. Voilà, donc je vais récupérer les piles. Alors j'essaie de construire ça puis je vous retrouve après. Allez, me voilà donc de retour à la base. Hop, on va ouvrir cette porte étanche. Je pense que, ouais, bah, de toute façon pour l'instant, j'ai pas besoin vraiment d'avoir l'accès. J'ai construit la chambre d'immersion. Alors, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais
construire la baie avec une ville. Alors allez, voilà, ici, tac. Il faut que je fasse du lubrifiant avant. Voilà, tac, pour construire. Alors, ici, non, c'est pas ça. Il manque la batterie à haute capacité, donc électronique, caoutchouc en silicone. C'était ça en fait de base que je voulais faire. C'était pas le lubrifiant, c'était la caoutchouc en silicone. Voilà, batterie haute capacité. Et donc là, j'ai tout. En fait, il me fallait aussi du lubrifiant. Et d'ailleurs, voilà. J'ai récupéré donc au passage du soufre de cave. Pour qu'on puisse. Pour qu'on puisse faire. Alors, équipement personnel, outils. Pour qu'on puisse faire. Voilà, ça. Il me manque donc les deux diamants que j'ai posés ici. Et donc on va pouvoir se faire un petit découpleur laser. Pour pouvoir explorer un peu plus tout ça. Tous les endroits qu'il y a à explorer. Alors ensuite donc, hors tension. Ah, il n'y a plus de puissance. C'est embêtant ça. C'est pas grave, on va attendre. Hein. Est-ce que c'est le jour dehors? Ça commence à être le jour. Libérer la baie à véhicule mobile. On va la prendre. On va la mettre là. Voilà. Alors on va la libérer. Bon, on va la libérer. On va la libérer. Ici, là, il y a l'espace. Alors, hop, escalader. Ah mais elle monte. Attends. Ouais elle monte, ok, c'est un truc qui flotte. Ok, allez hop, on va la laisser finir d'escalader. C'est bon, je peux l'escalader maintenant. Utiliser la baie véhicule, on va l'utiliser. Véhicule, alors Simov, Cyclops. Il faut un lingot de titane, encore une batterie haute capacité, du verre, du lubrifiant, du plomb. Donc, alors le plomb, j'ai le verre, je devrais pouvoir le faire, et puis c'est surtout le lingot de titane qui va encore. Je vais aller me le faire du coup. Allez, c'est parti. Ah, mais attendez, regardez ce qu'on peut faire là maintenant. On a le découpeur laser, il me semble que. Alors, déjà là, doit y avoir un quartz. Ah, ça c'est du sel. Mais du coup, on va pouvoir rentrer ici. Alors. On va faire là ça. Et je récupère un quartz. Le découpeur laser, voilà, le voilà. On va le mettre à plat. On va le mettre là. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, voilà. On va découper une ouverture pour passer. Voilà, allez, vas-y. Tu peux le faire. Ok, bon du coup je peux passer maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? 30 secondes d'oxygène, j'ai le temps. Purée, tout ça pour ça. Ah non, là il y a une porte. Attends, non, mais arrête. Lâche la porte. Oh purée, il va falloir que je remonte. Allez, tu peux arriver en haut. Arriver en haut. Non. Alors, hop, donc j'étais par là-bas. Me voilà de retour pour donc finir donc cette fameuse exploration. Parce que donc celle-là on peut la faire, elle est à notre portée. Vraiment de découper la terre, pas la peine que. Donc pour récupérer un peu de titane, ça peut toujours être intéressant. C'est là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là d'intéressant?
fragment de véhicule mobile, donc ça je connais. Ensuite là, fragment de canon en propulsion, je sais pas si je l'ai. Oui, je l'ai aussi. Ok, fragment de découpeur laser, je connais. Chaise de commandement, ça je crois que je connais pas. Chargeur de pile, je connais. Ok. 30 secondes. Ok, bon, cette fois je remonte. Et donc, après, ce qu'il faudra que j'aille vérifier aussi, c'est pas bien une autre porte scellée. Voilà, qui vraiment en dessous. Je vais voir si ça mène à un endroit que j'ai déjà exploré ou pas. Allez, c'est reparti. C'est long quand même hein, de découper une ouverture dans une porte, dans cette porte là. Après en même temps c'est normal. Allez, tu peux, t'as presque fini. Attention. Alors B à véhicule mobile. Ah, boîte de données, ça c'est intéressant. Fragment de canon à propulsion. Fragment de découpeur laser. Ici. Ensuite, 30 seconds. Bon, bah, on va y aller. Hop. Donc, nous avons donc exploré cet endroit. Par où est-ce qu'on sort? Par là. Non, mais non, mais. Ok, normalement ça devrait aller là. 50, 40, allez, 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 allez. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il ressort à la surface. Allez, c'est parti. Bon, je vous retrouve une fois que j'ai construit le Steamoth. Ok, souvent la lune première sur le sans risque. C'est pas récurrent sur l'état sous-marin. Très bien, d'accord. Alors ma base elle est par là-bas. Escalader. Alors c'est bon, maintenant normalement si je clique sur véhicule Steamoth, je peux le construire. Steamoth is a fast, safe mode of transport. But remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Ok. Attendez, il y a mon Steamoth dans l'eau là, moi je vais aller le chercher. Où est-ce qu'il est? Là. Et eh ben, les amis, nous avons un Steamoth maintenant. Entrez dans le Steamoth. Bon, on va aller le ranger à la chambre d'immersion. Hop. Et voilà, je suis sorti et j'ai mon Steamoth. Les améliorations, attendez, il y a des améliorations pour le Steamoth. Lame thermique. Ah, ça peut être intéressant ça. Faudrait que je me le fasse. Alors, mince. Alors, donc nous sommes. Alors, ce qu'on va se dire, c'est qu'on va aller faire une petite exploration. Donc, bah, de cette fameuse base qu'on avait commencé à explorer. Je vous y retrouve là quand j'y suis. Et puis on verra bien. Alors, donc...
on va aller voir une capsule de survie, c'est un peu plus loin, un peu plus rapide à visiter. Donc on va regarder ça, voilà. Capsule de survie 3, je crois. Capsule de survie 17, donc capsule de survie 19. Voilà, celui-là et celui-là. Voilà, on va aller en un des deux. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, par là-bas, bah voilà, on est à 12 800 mètres. Est-ce qu'il y a quelque part... Je vois que la 12, c'est fou ça. Ah, là-bas. Non, là c'est la 12. Ah oui, donc ça, ça doit être la 19. 748, on a qu'à y aller. 300 mètres de profondeur par contre. Ah tiens, il y a des déchets. Parce que j'ai déjà exploré ça. Ok, c'est bon, bah je suis remonté. Ah oui, ça a fait pas mal de dégâts là. J'ai été 5 secondes à 200 mètres. Ah ouais, ça prend 10 par 10, oulala. Ok, en effet, faut pas descendre sous 200. Et bah, je vais descendre ici. Allez, bon, vous savez quoi, on va explorer ici. Alors, okay, ça, je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir ici? C'est quoi ça? C'est lithium. Il n'y a rien l'air d'avoir vraiment d'intéressant là-dedans. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake. J'ai oublié de manger, c'est vrai. Oui, je vais en prendre, t'inquiète pas. Vital signs stabilizing. Quand est-ce qu'il va me dire que j'ai soif? Alors donc j'ai ça, où est cette fameuse par là? Alors, on va re-rentrer dans le Simov histoire de récupérer de la vie, enfin de le... Allez, c'est parti. Par... non, je vois plus là, par là. Faut vraiment que... Non, purée, pas à ce moment-là. J'ai pas de pile. Purée. Ah, non. Ah, je suis mal. Et j'ai pas mon couteau dans les mains, purée, mais qui c'est qui partit dans mon couteau des mains? Ok. Oh, purée. Bah, j'ai retourné à mon Simov, moi, du coup, hein. Ok, cet endroit est dangereux, et bah vous savez quoi, je pense que... On va... Warning, maximum depth reached. Hull damage imminent. Non, ok, non, c'était une... J'ai pas fait exprès, en fait, c'est pas... Faut que je descende à partir de là. Purée, faut que je boive. Je vais dire son celle-là, j'ai déjà... Qu'est-ce que c'est que ça? Une boîte de données, bon. C'est toujours intéressant. Bon, et ben en tout cas, je pense qu'on a fait beaucoup de choses dans cet épisode. Je vais essayer donc de trouver le moyen de pouvoir explorer et d'être prêt pour le prochain épisode pour qu'on puisse explorer un peu plus. Bah, dans le prochain épisode, on fera du coup principalement l'exploration et pas de la construction, vu que bah, maintenant on a construit le Simov, placé la chambre d'immersion et tout. Voilà, donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker et partager la vidéo. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Manroll. Salut !